Lors du 105e Conseil des ministres tenu le vendredi 21 juillet dernier, le président de la République est revenu dans son speech sur les résolutions prises lors de la réunion de la conjoncture économique tenue en début de semaine et à laquelle, outre les membres du gouvernement, l'inspection générale des finances a été conviée, sur quoi 8 mesures ont été prises pour stabiliser les taux d'échange. Vous écouterez les ministres de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, qui en fait les points dans ce journal. La synergie des syndicalistes et des anciens de la République démocratique du Congo a organisé ce samedi 22 juillet, à son siège situé dans la commune de Kalamu à Kinshasa, une assemblée générale d'évaluation de l'année scolaire 2022-2023, présidée par les porte-parole de la synergie Jean Bosco Pouna, que vous allez d'ailleurs écouter le long de ce journal. Cette réunion s'est axée sur trois points, entre autres, l'évolution des promesses faites par les gouvernements aux enseignants. Voilà tout pour les titres, les développements dans la ligne de votre journal. Bienvenue à tous dans cette session d'information sur Ecofin Télévision. Je l'ai évoqué au sommaire de votre journal. Lors du 105e Conseil des ministres tenu le vendredi 21 juillet dernier, le président de la République est revenu dans son speech sur les résolutions prises lors de la réunion sur l'état de l'économie tenue en début de semaine et axée principalement sur la situation du franc congolais. Une réunion, outre les membres du gouvernement, l'inspection générale des finances et la BCC ont été conviés, d'où 8 mesures ont été arrêtées pour stabiliser les taux d'échange. On écoute à propos les ministres de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, dans cet extrait choisi pour vous par Igor Biwaga. À l'issue des différents échanges, les mesures ci-après ont été adoptées. 1. La poursuite par la Banque centrale du Congo des interventions vigoureuses et régulières sur les marchés de change en mettant à la disposition de celui-ci les devises étrangères prélevées notamment sur le réserve de change. 2. La gestion rigoureuse des finances publiques par notamment la limitation des dépenses publiques à celles qui sont prioritaires et essentielles en privilégiant la procédure normale de la chaîne de la dépense publique. 3. L'interdiction du paiement des dépenses publiques en espèces au guichet de la Banque centrale du Congo. 4. L'encadrement par les secteurs bancaires des opérations d'échange effectuées par les bureaux d'échange qui doivent être compatibles avec leurs capacités réelles. 5. Le renforcement des mesures de rapatriement des devises et la concertation entre la Banque centrale du Congo et les opérateurs du secteur minier pour les rachats éventuels d'une quotité des devises ainsi rapatriées. 6. La retenue immédiate et à la source par les trésors publics de la TVA pour les fournisseurs et prestataires de l'État lors des paiements de leurs factures. 7. L'encadrement de la taxation d'office des entreprises n'ayant pas fait leur déclaration fiscale par le ministre des Finances assisté par l'inspection générale de Finances. 8. Le paiement de tous les impôts, taxes, droits et redevances dus à l'État en francs congolais. Dans un autre chapitre, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mabakazadi, a lancé jeudi dernier à Kisantu, dans la province du Congo central, les travaux d'évaluation de l'addendum au protocole d'accord de Bibwa, une cérémonie d'ouverture marquée par la grogne des syndicalistes sur la non-tenue des promesses du gouvernement. Commentaire. Ils sont venus de toutes les provinces pour assister à ces assises ouvertes dans la province du Congo central. Ces délégués syndicaux, unis comme un seul homme, et lassés des promesses jugées à leur niveau irréalisables, ne jure que par le strict respect des engagements pris par le gouvernement de la République. C'est ce qui traduit dans l'intervention de Godefroy Matondo, porte-parole de l'intersyndicale. L'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et technique exige séance tenante et comme préalable avant le déroulement effectif des travaux de la présente assise, ce qui suit la présentation par les banques gouvernementales des listings de paye du mois de juillet 2023. L'heure n'est plus à une quelconque négociation. Nous osons croire que le gouvernement de la République doit répondre illico presto au préalable si haut éclairé avant le déroulement de la présente assise. À son tour, le numéro 1 de l'EPST a rassuré les syndicalistes de la matérialisation de leurs recommandations à la fin de ces assises. Pour garantir une rentrée scolaire apaisée, nous sommes obligés que nous ne quitterons pas ici sans que vous ayez satisfaction, si pas totale, mais même partielle, à vos revendications.
travailler en toute responsabilité sans tenir compte de ce qui peut se raconter en dehors d'ici. Je sais les difficultés auxquelles vous êtes aussi confrontés, mais les résultats qui sortira d'ici, ça sera aussi accueilli, je le crois, par les enseignants que vous représentez ici. Ces protocoles d'accord des Bibois, actuellement sous évaluation, visent l'amélioration des conditions salariales des enseignants. Il a été signé le 21 novembre 2021 entre le gouvernement et les banques syndicales. Je l'ai évoqué au sommaire de votre journal, la synergie des syndicalistes et des enseignants de la RTC a organisé les samedis 22 juillet au siège des Sinecat dans la commune de Kalamu à Kinshasa une assemblée générale d'évaluation de l'année scolaire 2022-2023 présidée par les porte-paroles de la synergie Jean Bosco Pouna. Cette réunion s'est axée sur trois points, entre autres l'évolution des promesses faites par les gouvernements des enseignants en vue d'une prochaine rentrée scolaire apaisée. On l'écoute. La synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo a organisé une assemblée générale d'évaluation de l'année scolaire 2022-2023 ce samedi 22 juillet 2023 à Kinshasa. Cette évaluation a porté sur trois points, à savoir l'évaluation pédagogique, l'évaluation administrative et l'évaluation des promesses faites par le gouvernement aux enseignants. De ces trois évaluations, les enseignants ont relevé les constats alarmants de la gestion du système éducatif congolais. De ce qui précède, les enseignants réunis en assemblée générale demandent au gouvernement pour une rentrée scolaire apaisée. 1. De payer aux inspecteurs, agents et intervenants à l'examen d'État leurs primes pour accélérer la correction de l'examen d'État. 2. De suspendre la retraite cavalière imposée aux enseignants et de réparer les préjudices causés aux enseignants retraités. 3. De payer à tous les enseignants de la République un nouveau barème salarial conformément à l'engagement pris pour leur permettre de faire face au coût de la vie. 4. De payer aux inspecteurs de province leurs primes de fonctions spéciales et spécifiques. 5. De payer à tous les enseignants NU et les enseignants désactivés abusivement. Tout à fait autre chose à présent. Dans une correspondance du premier président de la Cour des comptes consulté par votre rédaction cette semaine, ce dernier dénonce l'attitude du directeur général du Bureau central des contrôles BCECO qui a adressé une note d'information surréaliste à l'intention des chefs d'agence de BCECO, les demandant de ne pas se soumettre au contrôle dans les cadres du programme de développement local des 145 territoires. Tous les contours de cette affaire dans ces commentaires de Tony Antoine Dibendila, rendu par Grace Luyanga. Dans la dite note, le DG des BCECO demande aux chefs d'agence, dans le cadre du programme du développement local de 145 territoires, de ne pas déférer au contrôle de tout autre organe des contrôles et de diffuser cette information auprès de toutes les agences locales d'exécution, de toutes les petites et moyennes entreprises et tous les ingénieurs à pied d'œuvre. Il prétexte que la Cour des comptes avait déjà diligenté une mission de contrôle dans le cadre de ce programme. Par conséquent, aucun autre service ne peut lancer une autre mission de contrôle. Une note d'information que les DG des BCECO rédigeait juste après que l'Inspection générale de finances prépare une mission de contrôle sous l'évolution du programme de développement local des 145 territoires dans les Kasaï orientales. Une attitude de BCECO jugée de rare gravité par le premier président de la Cour des comptes qui a signifié que sa Cour n'a jusqu'ici diligenté aucun contrôle sur l'exécution du programme de développement local des 145 territoires et surtout qui n'appartient pas à un responsable d'une entité territoriale auditée de se prévaloir de la présence de la Cour des comptes sur tout les autres organes des contrôles de finances. Il dit comprendre l'attitude de BCECO comme une volonté manifeste d'échapper au contrôle. Par conséquent, il enjoint les DG de BCECO de retirer sa note d'information adressée au chef d'agence et de déférer à tout contrôle diligenté dans ce contexte.
L'Observatoire de la dépense publique ODEP a publié jeudi dernier une étude sur la cherté de la vie et la baisse du pouvoir d'achat de la population de la province du Sud-Kivu de 2019 en 2023. Les conclusions de cette étude font état d'une augmentation des prix des différents produits de consommation de première nécessité, entre autres les sacs de semoule ordinaires qui s'est vendu arrièrement à 25 200 francs congolais et passé à 45 000 francs congolais en 2023. Jonathan Bakile pour les commentaires. Le prix des produits de consommation courante continue de prendre l'ascenseur dans différentes villes de la République démocratique du Congo. Selon une étude menée par l'Observatoire des dépenses publiques, un sac de semoule ordinaire de 25 kg est passé de 25 200 francs congolais à 45 000 francs congolais en 2023 dans la province du Sud Kivu. Celui du riz est passé de 36 740 francs congolais en 2019 à 50 000 francs congolais au 30 juin 2023. Un sac de sucre, Kulungongo, s'est négocié actuellement à 127 000 francs congolais alors qu'il s'est vendu à 70 600 francs congolais en 2019. À la base de cette dégradation du pouvoir d'achat des Congolais, l'ODEP pointe notamment la perpétuation du système colonial et des théories économiques libérales inadaptées pour élaborer les politiques publiques, les complicités des classes régnantes avec les grandes puissances impérialistes et les fléaux de la corruption et du détournement des deniers publics. Ainsi, l'ODEP souligne la nécessité des politiques économiques et des gouvernances plus équitables ainsi que de mesures efficaces pour lutter contre la corruption. Ces initiatives sont essentielles pour promouvoir un développement économique durable et améliorer les conditions de vie des Congolais. Parlons minerais à présent. Selon les projections de la Commission nationale des mercuriales, structure du ministère du Commerce extérieur de la RDC, la tendance sur les marchés des principaux produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo oscille actuellement entre hausse et baisse. Certains produits comme les cobalt et l'étain maintiennent une embellie montante. Commentaire. Le cobalt garde une tendance haussière cette semaine et se négocie actuellement autour de 32 735 dollars la tonne contre 31 549 dollars la tonne la semaine passée, dégageant une hausse des prix de 1186 dollars américains. L'autre minerai en embellie, c'est l'étain qui se négocie cette semaine à 28 740 dollars la tonne contre 28 036 dollars la tonne la semaine dernière, soit une hausse des prix de 703 dollars. Le cuivre est également en hausse cette semaine et se vend à 8 319 dollars la tonne contre 8 265 dollars la tonne la semaine dernière, soit un écart des prix positif de 54 dollars. Le zinc, lui, affiche une tendance baissière cette semaine et se négocie à 2352 dollars la tonne contre 2354 dollars la tonne la semaine dernière, dégageant une baisse chiffrée à 2 dollars américains. L'or est également en baisse cette semaine et se vend à 62,36 dollars les grammes contre 62,42 dollars les grammes la semaine dernière. Quant au tantale et au minerai d'argent, il demeure stable sur les différents types de marchés, respectivement à 330 dollars les kilogrammes et 0,75 dollars les grammes. Dans la catégorie des produits agricoles et menus forestiers d'exportation de la République démocratique du Congo, plusieurs sont en baisse cette période. Le café Robusta est le seul produit agricole qui est en hausse cette semaine, en se vendant à 10,66 dollars les kilogrammes contre 2,56 dollars les kilogrammes la semaine dernière, soit un écart des prix positifs de 0,1 dollar. L'inflation et la dévaluation du franc congolais observée en République démocratique du Congo n'épargnent personne. Les commerçants de la cité de Kasangoulou dans la province du Congo central, touchés par la précarité qu'engendre cette situation économique intenable, ont plaidé ce samedi 22 juillet pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Plus de détails dans ces reportages signés Jurès Loutete et Riben Manata, rendus pour vous par Grâce Louyanga. Ici, nous sommes à Kasangoulou, une cité située dans la province du Congo central, au sud-ouest de la République démocratique du Congo. Comme d'ailleurs cela s'observe dans plusieurs autres villes ou cités du pays, la dépréciation de la monnaie nationale et l'inflation frappent de plein fouet. Les commerçants de la cité déplorent ainsi la hausse de prix de biens de première nécessité. Je vends toutes sortes d'articles. Il nous arrive de nous déplacer jusqu'à Matadi Kibala, à Kinshasa, pour nous procurer certains biens de première nécessité. Cependant, sur le marché, on constate une flambée des prix de ce bien, ce qui est à la base du ralentissement de nos activités. Nous nous procurons ces bottes des feuilles de manioc ici à Kasangoulou. Par rapport au coût des transports, on n'arrive pas à générer de bénéfices. C'est le principal obstacle auquel on est confronté. À la suite de cette situation, la population de cette contrée ne peut qu'espérer sur les mesures urgentes prises récemment par le gouvernement pour contenir la dépréciation de la monnaie nationale face aux devises étrangères.
Depuis janvier 2023, les fonctionnaires et agents publics de l'État ont perdu jusqu'à 13% de leur pouvoir d'achat pour les uns et même 45% pour les autres. La faute à la dévaluation du taux d'échange, les centres de recherche en finances publiques et développement local qui fait ces révélations note dans son mini-enquête qu'à ces jours, 10 taux d'échange sont appliqués en RDC dans la rémunération des agents de l'État et cela en totale violation du taux budgétaire annuel arrêté à 2021 francs les dollars américains. Patrick Lumbala. C'est un rapport qui met en lumière les disparités du taux appliqué dans la rémunération des fonctionnaires et agents publics de l'État. La mini-enquête réalisée par le Centre des recherches en finances publiques et développement local révèle qu'au total, 10 taux d'échange sont appliqués actuellement en RDC, en violation du taux budgétaire censé réglementer le marché sur l'ensemble du territoire national. Pour énumérer, le Crève-d'Aile cite quelques cas. C'est notamment l'ONEM qui rémunère ses agents au taux de 920 francs congolais le dollar américain, alors que le taux budgétaire 2023 est fixé à 2021 francs congolais le dollar américain. Même chose à l'ANADEC, où les fonctionnaires perçoivent leur salaire au taux de 930 francs congolais le dollar américain. À l'ONT, les taux appliqués est de 960 francs congolais le dollar américain. Les fonctionnaires du ministère de l'EPST sont quant à eux payés au taux de 1500 francs congolais le dollar américain. La mini-enquête révèle également que certaines entreprises publiques appliquent un taux supérieur au taux budgétaire annuel. C'est le cas de la DGI qui rémunère ses agents au taux de 2450 francs congolais le dollar américain. Même chose au FPI, où les fonctionnaires sont payés au taux de 2350 francs congolais le dollar américain. Dans cette mini-enquête, seule la fonction publique applique le taux budgétaire annuel des 2021 francs congolais le dollar américain. Quoi qu'il en soit, les salariés de la fonction publique et ceux œuvrant dans les institutions publiques ont perdu entre 10% et 13% de leur pouvoir d'achat en 6 mois et 45% pour ceux qui évoluent au sein des entreprises publiques. Tout à fait autre chose à présent, à quelques jours du go de la 9e édition de GD La Francophonie, les Kinois approchés sont très enthousiastes à l'idée d'assister en qualité de spectateurs à cette grande cérémonie réunissant les pays francophones. De ces faits, ils appellent les organisateurs de CG à fixer un prix raisonnable quant au droit d'accès, même à la couche sociale la plus démunie. Un reportage de Divine Mwenzé et Pichunzita. Depuis la création des CG en 1989, c'est une toute première qu'ils s'organisent en République démocratique du Congo. À ces sujets, quelques Kinois approchés expriment leur satisfaction d'accueillir ces Jeux, une occasion d'affirmer leur patriotisme congolais et de soutenir inlassablement les athlètes sélectionnés pour représenter le pays, le tout couronné d'un espoir de voir du répondant de la population. Cependant, ils appellent les organisateurs de ce jeu à fixer un prix raisonnable donnant la possibilité à toutes les couches sociales d'y assister. J'ai à francophone à 400 mots quand j'ai dit premièrement. On accueille positivement l'organisation des CG de la francophonie dans notre pays parce que c'est une première dans les annales de notre histoire. En patriote, on ne peut que saluer l'avènement des CG et en espérer une complète réussite. L'autre point positif à noter, ce sont les innovations que nous allons y apporter à l'instar du célèbre jeu dénommé communément Zango en Lingala. CG est une originalité congolaise que le monde découvrira à travers CG. Concernant le prix des billets, nous plairons pour un prix abordable qui peut donner l'opportunité à toutes les couches sociale de se retrouver, s'ils sont bien organisés, ces jeux peuvent être une source d'attraction des investisseurs. Ce que nous demandons aux organisateurs de ces jeux, de proposer des prix abordables pour l'achat des différents billets donnant l'accès au site où se dérouleront ces jeux. On n'est cependant pas contre la vente de ces billets, mais seulement, je réitère, ces prix doivent être raisonnables en vue de donner l'occasion à tout le monde d'assister à ces jeux. Rappelons que ces jeux ont été initiés dans l'optique de promouvoir la paix entre les jeunes des pays francophones et de favoriser l'émergence des jeunes talentueux artistiques sur l'échiquier international. Et pour terminer, la ville de Kinshasa connaît sa période des vacances marquée comme à l'accoutumée par l'ouverture des kermesses dans différentes communes. L'attraction qu'entraîne cette rencontre festive et commerciale constitue pour la plupart des Kinois un bon moyen de se procurer de l'argent pendant cette période. Les tenanciers d'un kiosque approché par nos reporters affirment que c'est une activité rentable, bien que les coûts pour s'octroyer un stand étaient exorbitants. Jean Tabakili et Riben Manada.
Comme à l'accoutumée, les kermesses sont reprises depuis le début du mois de juillet sur l'ensemble de la ville-province de Kinshasa. Implantées sur le place publique et même sur le terrain sportif, elles accueillent presque chaque jour la population kinoise qui en profite pour passer du temps entre amis ou en famille pendant ces temps des vacances scolaires. Ces kermesses, qui est pratiquement une activité socio-économique, constitue pour la plupart des tenanciers des stands un bon moyen pour se procurer de l'argent. À en croire les tenanciers, le prix d'achat d'un stand dans des kermesses est fixé selon le milieu et varie entre 600$ et 700$ américains parce qu'il s'agit d'une activité commerciale rentable. Ah bah stand est quand même 700$. Je suis allé à 1400$. Comme les choses sont moins, je sais que ma bien pour la banque. Cette activité est vraiment rentable dans la mesure où elle offre la possibilité à bien des Congolais d'œuvrer sans trop de difficultés. Le prix d'un stand dans cette kermesse s'élève à 700$. Nous nous en sommes procurés deux pour notre part, ce qui est non seulement bénéfique pour nous, mais aussi pour le propriétaire de cet espace. En tout cas, nous ne manquons pas des clients. Le samedi, la journée, on a besoin de passer là. Bon, la minute, on a besoin de vacances. Tout ça, c'est la population. En tout cas, moi, on a la kermesse là-bas, on a besoin de passer là-bas. Par ailleurs, certains considèrent ces kermesses comme un des éléments qui contribuent à la dépravation de mœurs et sont à l'origine des pollutions sonores. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici tout de suite les rappels des titres. Lors du 105e Conseil des ministres tenu le vendredi 21 juin dernier, le président de la République est revenu dans son speech sur les résolutions prises lors de la réunion de la conjoncture économique tenue en début de semaine et à laquelle, outre les membres du gouvernement, l'inspection générale des finances a été conviée sur quoi 8 mesures ont été ainsi prises pour stabiliser le taux d'échange. Vous avez suivi le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, dans ce journal. La synergie de syndicalistes et des anciens de la RDC a organisé ce samedi 22 juillet, à son siège situé dans la commune de Kalamu, une assemblée générale d'évaluation de l'année scolaire 2022-2023, présidée par les porte-parole de la synergie Jean Bosco Pouna, que vous avez écouté dans le long de ce journal. Cette réunion s'est axée sur trois points, entre autres, l'évolution des promesses faites par les gouvernements aux enseignants. Ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur nos différentes plateformes des réseaux sociaux, entre autres Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, mais aussi notre chaîne YouTube. Merci.